pas idée. On n'a pas idée de ce que c'est que de travailler à l'usine. On n'a pas idée de ce que c'est que de travailler à l'usine quand on est comme moi, parisien, protégé, chanceux de la vie. On n'a pas idée de ce que c'est que de travailler à l'usine, la folie du geste répété 3650 fois par jour. La folie du geste répété 3651 fois par jour. Ou la chimie qui t'infiltre les poumons. Ou les acides qui tronchent les mains. Et les contre-maîtres qu'en foutent pas une ramée et qui t'observent de loin. Et l'isolement. Et le rassassement. Et l'isolement. Et le rassassement. Et l'isolement. Et le rassassement. Juste le bruit de la machine, et penser, 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 penser en rond, penser les mêmes idées, les mêmes colères. Penser, penser la folie du geste, répéter 3653 fois par jour. Travailler à la chaîne. Couper les pieds de cochon avec un sécateur. Couper les pieds de cochon avec un sécateur. Déchirer un bœuf en deux contre le scie électrique. Déchirer deux bœufs en deux à coup de scie électrique. Déchirer trois bœufs en deux à coup de scie électrique. Déchirer quatre bœufs en deux à coup de scie électrique. Comme une cantine pour enfants maléfique. Moi, ce que je fais de pire, travailler à McDonald's, service des nuits, nettoyer les cuisines, la graisse dégueulasse, noire, immonde et l'odeur atroce, mais quand même, rien à voir avec la fille qui, en ce moment même, toute la journée, a tué son 150e cochon à coup de taser, 151e cochon à coup de taser, 152e cochon à coup de taser. On se plaint beaucoup à Paris, je me plains beaucoup à Paris. Avec mes 2 heures de métro quotidien. Enfin, je suis assis, je suis dans un bureau propre. Je découpe pas de cadavres. Je découpe pas un bœuf électrique en deux à coup de scie électrique. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. On s'appelle, plus tard vous aurez We Insist en entier. Là pour l'instant il y a Étienne Galochet, magnifique, batteur exceptionnel. Merci pour lui. Voilà, c'est ça, c'est comme ça.
Jean-Michel Pires de Madison et d'autres groupes magnifiques aussi, par ailleurs. Hein. Et moi-même, donc, Pascal, on est très heureux de vous accueillir pour cette création. Il y a des gens qui rentrent encore à recommencer le concert du début. Ou alors vous faites un résumé rapide pour ceux qui viennent d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, après. Ok. William, on n'entend pas les machines de Jean-Michel dans les retours ou dans la salle, je ne sais pas, au choix. Non, non, c'est une très belle salle. Merci beaucoup justement à Baptiste qui nous accueille et puis à Elsa de savoir programmé. Merci aux gens du MAD 93, Alice, Marinette, merci. Canal 93, merci. Voilà, c'était super, merci beaucoup d'être venu. On a beaucoup aimé. Ok. On va enchaîner tout de suite par une chanson qui s'appelle D'un coup, merci Étienne, merci. Nous aurions pu habiter encore 100 ans ici.
Merci beaucoup. Il y a deux reprises dans le set, et donc c'en est une première reprise, et celui qui reconnaît les deux, ben, il a le droit de m'offrir un coup à boire après au bar tout à l'heure.
chanson qui s'appelle Joe Dassin. On tombe vite dans le passé, on tourne la tête, on est tombé, on vit dans le passé, on tourne la tête, dans le passé. On vit dans le passé, on tourne la tête, on tourne la tête, on est tombé, on est tombé, on vit dans le passé, on tombe vite dans le passé, on vit dans le passé, on tourne la tête, on tourne la tête, on a vécu un an ensemble, toutes les nuits. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Un vieux courrier, une ancienne adresse. On tombe vite dans le passé, vite dans le passé. On tourne la tête, on tourne la tête. On est tombé, on est tombé. On tombe vite dans le passé, on tourne la tête. Je me souviens de rien en fait. Un jour, t'étais contente, t'avais dansé. Un autre jour, tu m'avais dit que j'étais rigolo parce que j'avais fumé, mais moi, je crois que j'étais rigolo tout le temps. Et que je t'en étais rendu compte seulement maintenant. On tombe vite dans le passé. On tourne la tête. On est tombé. On tombe vite dans le passé. On avait une petite chatte ensemble qui dormait comme ça sur l'épaule. Il y avait plus de tendresse entre moi et cet animal en un après-midi qu'entre toi et moi si on était resté collé toute une vie. On tombe vite dans le passé, on tourne la tête, on est tombé. On tombe vite dans le passé, on tourne la tête. Merci. On va demander l'aide de Julien, donc le deuxième membre de Wincy, si il est parmi nous. Ah, très bien, super. On a répété. Ça va, c'est bien? C'est bien, oui. Donc moi, j'aime bien. Je ne me suis pas ennuyé. D'habitude, il y a des
des publics vraiment très ennuyeux, mais là vous êtes bien. Je ne suis pas ennuyé avec vous pour l'instant. Pour l'instant, essayez de maintenir un petit peu le niveau jusqu'au bout. Hein, niveau d'exigence maximale. Merci. Merci beaucoup. Thank you.
Merci beaucoup. Eric à la guitare. Yeah.
Merci. C'est le dernier morceau. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça tourne? Est-ce que ça marche? Test. Test. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, n'importe qui m'entend, n'importe qui, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? J'ai 50 000 watts de puissance au cul. Ce microphone transforme le son en électricité. Je vais électrifier les ondes. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Toi, en route sur le périph, sur la bretelle de la 86, seul et triste et déprimé avec ta radio allumée. Est-ce que tu m'entends? Spécial. Non, attendez, il n'y a plus de filtre spécial. Il n'y a personne qui se reconnaîtra. C'est la fin de la radio. Le dernier animateur joue la dernière chanson. Le dernier watt quitte le transmetteur et part dans les airs à la recherche d'un auditeur. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça retransmet vraiment s'il n'y a personne qui entend? Est-ce que je parle vraiment s'il n'y a personne qui entend? Est-ce que vous m'entendez? We'll be right back.
terre, c'est la fin de tout. Adieu, adieu. On arrive dans 10 minutes, un quart d'heure.